Namasté! Hier, on a sorti la vidéo sur les points positifs. Du coup, aujourd'hui, on sort la vidéo sur les points négatifs. Forcément. C'est logique. Et croyez-moi, il y a quand même pas mal de points négatifs ici. Pour nous, en tout cas. Pour nous. Après, c'est clair que ça n'engage que nous, tout comme nos points positifs. C'est notre avis. N'engage que nous, c'est notre opinion. Et le gros point négatif, c'est le business omniprésent ici. Hier, Jérôme, le Suisse, nous disait qu'on était des portefeuilles qui marchent. Comment il a dit ça? Bref, on était des portefeuilles géants, quoi. Pour eux. Et c'est le cas. C'est-à-dire que. Après, il y a des côtés intéressants. Ici, on doit tout négocier. C'est rigolo. Des fois, non. Mais le problème, c'est que. C'est fatigant. C'est fatigant parce que, par exemple, un coup, on voulait acheter deux bouteilles d'eau. Les bouteilles d'eau, ça coûte 30 centimes ici, 30 roupies, 20 roupies à certains endroits. Et on en demande deux, le gars, il nous dit 1350. Il nous montre sur la calculette, parce qu'ils ont toujours des calculettes, 1350. On lui dit non, mais on veut deux bouteilles d'eau. Et il dit 1350. On était là, ouais, salut, quoi. Mais il rajoute des prix constamment. Par exemple, tu vas acheter un truc, ils disent 2000, 3000, il prend moi pour un idiot. Ouais, c'est le problème. Constamment, faut négocier tout le temps. Et... On a tout le temps l'impression d'être. Au bout d'un moment, c'est long parce que être pris pour un idiot, on est des Européens et pour eux, ils nous voient tous comme des touristes, mais on n'est pas des touristes et c'est bon quoi. Il y en a marre au bout d'un moment. Parce que quand on voit les touristes donner de l'argent à tous les mendiants à droite à gauche, qui se sont mis un peu de terre sur le visage pour faire genre oh, on est pauvre, ça c'est vraiment vraiment lourd. Parce que du coup, on paye, si tu fais pas attention, tu payes le double du réel, voire franchement 4 fois plus. Des fois, genre un supermarché, un coup ça nous arrivait qu'une bouteille d'eau, elle est cliquée sur un petit bouton caché, tu vois, dans le. Et qu'il y a un petit 1000 qui soit rajouté, nulle part. Heureusement que j'ai fait attention. Heureusement qu'on avait regardé sur l'addition, parce que sinon, sur Bill, sinon on serait fait complètement. Enfin bref, et c'est ça tout le temps. Mmh. Et au fond, c'est vrai que c'est. Ça fait partie du truc, quoi. Mais c'est pas. C'est fatigant, c'est vraiment fatigant. Puis d'ailleurs, ça nous fait partir tout de suite sur le deuxième point négatif ici, c'est la différence entre voyageurs et touristes. Parce qu'on se sent, nous, on se sent pas du tout en tant que touriste ici, on n'est pas là pour s'acheter des choses, on n'est pas là pour aller voir les monuments et payer pour les voir, on est vraiment là pour découvrir le mode de vie, comment fonctionne le pays. Évidemment qu'on veut voir des monuments importants, parce que c'est on est là pour avoir un partage avec les gens, on n'est pas là pour être là et faire waouh, c'est beau, merci. Et du coup, voir le comportement des touristes, c'est extrêmement énervant pour nous. Et les Français sont particulièrement particulièrement bons. Hein. Parce que, comme par exemple aller donner de l'argent à une femme qui va mendier alors que tu vois qu'elle n'est pas pauvre quoi. Elle sait juste qu'elle sait très bien qu'elle peut aller vivre sur le dos de touristes et du coup c'est extrêmement énervant d'être mélangé à cette populace de touristes en fait. Que les gens ici font aucune différence et qu'on soit considéré comme tel c'est. Il y a des endroits très très touristiques, par exemple Pokhara, qui est une destination très intéressante, je dirais. C'est touristique, on se croirait dans le sud de la France, sur les plages, avec ses nightclubs, avec ses plats divers et variés de tous les pays à droite, à gauche. C'est la destination phare des touristes ici, parce que derrière ils peuvent faire des treks, machin, mais c'est pas ce qu'on voulait voir. Mais bon, au moins on le sait, c'est comme ça quoi. Mais c'est vrai que on n'aime pas, nous, être considérés cash, être abordés comme des touristes. Allez, c'est pas notre truc. Hein. Mais bon, quand on est avec des voyageurs, avec nous, tout ça, ça c'est bien plus sympa. Là. Sinon, ça en vient également, sans transition, à un point terrible ici, c'est le racisme. Il y a un racisme omniprésent tout le temps. Le racisme des Blancs, des Européens, nous. Faut qu'on paye tout. Tous les endroits, à droite, à gauche, alors que les Népalais ils rentrent sans payer et ils vont te le dire ouvertement, oui c'est raciste mais on s'en fout, enfin, on s'en bat les steaks, c'est comme ça que ça marche. Par exemple, qu'on paye pour aller dans un temple, on peut comprendre parce que c'est un lieu de culte et c'est normal qu'ils aient pas à payer pour aller dans leur temple. Et encore, si je suis bouddhiste,
Et moi aussi, je veux aller dans le temple. Pourquoi je paierais si je suis bouddhiste? Mais ils s'en foutent, je suis blanc, donc il faut que je paye. Quoi. Mais par exemple, à Chitwan, qui est le parc national où on est allé, qui n'est pas du tout religieux ou quoi, les Népalais, ils n'ont rien payé et nous, on a payé une fortune. 60 euros, un truc comme ça. C'est pas normal, quoi. C'est pas normal, ouais. C'est genre, oh non, mais vous n'êtes pas Népalais, vous devez payer. C'est ça. Et incroyable. Et du coup, ben, quand t'es là et que t'essaies de négocier, ben, ils sont là, ils se parlent en népalais, ils te rigolent au nez, puis ils te parlent limite en népalais, et t'es là, mais... Enfin, stop. Mais je dis racisme, c'est pas... C'est sans demi-mesure, c'est vraiment, vraiment du racisme. Du coup, ouais, c'est un point qu'on aime pas du tout, et... J'ai peur que ça ne change pas, parce que... Ils nous voient encore avec plus comme le portefeuille plein d'argent et ça va continuer malheureusement. Pause avion. Beaucoup d'avions aussi. C'est très plaisant. Qui passe au-dessus de la ville en plus. J'ai très très chaud. Je vais reprendre un t-shirt, j'ai très très chaud. Donc... tu attends. Il y a aussi quelque chose qui est vraiment énervant, qui s'observe plus chez les jeunes. Enfin, moi je trouve que ça se voit plus chez les jeunes. Oui, ça se remarque complètement chez les jeunes. C'est qu'ils ont une attitude vraiment sans gêne. Par exemple, je pense que c'est culturel. Mais par exemple, si tu poses quelque chose sur la table, qu'à la base c'est pour toi, tu viens de l'acheter, etc. Ils vont naturellement se servir dedans. Ils vont manger, ils vont boire. Et puis ils vont pas manger un peu et puis voilà quoi, ils vont te bouffer la moitié du paquet. Oh, même l'entièreté. Ouais, c'est vrai, l'entièreté aussi. Enfin, c'est assez impressionnant. Ça fait pas souvent plaisir. Et puis les jeunes sont feignants, moi je trouve. Pas tous, mais en tout cas ceux de la classe moyenne qu'on a côtoyés. En fait, la plupart des jeunes qu'on a côtoyés ici, qui avaient notre âge, on va dire entre 20 et 25 ans, ils en ont rien à faire, ils ne travaillent pas. Ils vivent au crochet, droit, gauche, ils font rien. Et ils sont là à être imbus d'eux-mêmes. Ils te considèrent comme, encore une fois, ils sont très très racistes envers toi. Et c'est très très dérangeant parce qu'ils ont rien à te dire, quoi, mais ils sont là, on est mieux que toi, même si on fout rien, on vaut mieux que toi. Enfin, c'est quelque chose de très 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 dur et leur dire c'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. Et le pire avec ce comportement, c'est qu'ils veulent tout faire. Enfin, les Népalais font tout pour que tu penses qu'ils sont des gens bien, que tu dises que c'est des gens bien, super accueillants, etc. Du coup, ils vont se comporter comme tels. Et ils se rendent même pas compte que c'est pas une réalité en fait. Ils veulent que les gens pensent ça, du coup ils vont faire des trucs pour qu'on pense ça. Ouais. Mais bon, quand tu observes vraiment les gens, tu vois qu'il y a quelque chose derrière. Et derrière, ils te mettent un petit couteau dans le dos sans souci, et ça c'est très très chiant. Surtout qu'ils sont très très impatients, les Népalais. Ah ouais. Par exemple, hier soir, on attendait des amis, il y avait une bouteille de vin, on dit surtout l'ouvrez pas avant qu'ils reviennent. Je donne un exemple, c'est tout le temps comme ça. Et ben, 2 minutes après, ils s'étaient déjà servis de verre plein, et 5 minutes après, ils commençaient à se resservir. Et pas histoire qu'ils étaient bourrés ou quoi, hein. Ils sont impatients de base. Ouais. Toi, tu vas les attendre parce qu'ils te disent ouais, attends, j'arrive. Mais quand toi, t'es pas prêt, ils vont te réveiller, te secouer, aller te chercher. Et ce qui est dingue aussi, c'est que, un point qu'on n'a pas dit, ils sont jamais à l'heure. Jamais. Ils respectent rien. Par exemple, nous, lors de notre trip, on avait convenu 6h du matin, le départ. Ouais. Finalement, ils ont repoussé à 10h. Donc 10h, on est prêt, on avait tout préparé, le sac, on est parti à 12h30. Et ils ne sont même pas excusés, ils sont arrivés à 12h30. En mode, ouais, bon, allez, on y va. Pas d'excuses, rien, parce qu'on leur doit tout, en fait. C'est ça. Du coup, c'est des exemples, et j'en aurai encore des tas d'autres, mais ça ne sert à rien d'en parler. Et c'est comme ça en général, ça se voit surtout chez les jeunes. Pas dans les petits villages, hein. Dans la ville, dans la grande ville, ça se voit, Pokhara... Katmandou, ça se voit beaucoup. Mais aussi, dans les villages, c'est pas pareil. Il y a aussi une attitude que j'aime pas, c'est une attitude de forceur. Par exemple, on va te demander tu veux du whisky, et tu dis non, j'en veux pas. Mais elle va dire si, vas-y, et puis te sert. Je viens de te dire non, en fait. Donc,
tu me sers pas, et puis c'est tout. Et c'est tout le temps comme ça. Pour de la nourriture, ils vont dire, ils vont te tendre, ils vont dire, t'en veux, tu vas dire non, il va te, c'est limite, si tu le mets pas dans la bouche. Quoi. My friend, eat. Ça pourrait être rigolo, mais c'est pas rigolo pendant un mois. Et sinon, deux, trois autres choses qu'on n'a pas du tout aimé, le travail des enfants. Ouais. Le travail des enfants partout. Ils travaillent, ils sont dans les bus, ils lavent. Ils te vendent, ils te guident, ils te font à manger. On est déjà allé dans des restos où c'est un gamin qui nous a fait à manger, qui a cuit, qui s'est brûlé, qui... et il y a ça partout. Dans les garages, etc. Ouais, ils te réparent ta moto, ils n'ont même pas 10 ans. Ça ne nous a pas fait plaisir. Mais bon, c'est comme ça, hein, on le savait. Ouais. Parce qu'en fait, ça se fait par famille. Genre, c'est l'enfant, donc c'est la famille qui tient l'endroit. Et l'enfant aide, c'est comme ça. C'est parce qu'il vit chez eux. Mmh. Il doit les aider. C'est Mais du coup, ils travaillent à leur place. Quoi. C'est pas évident. Ça, on n'a pas aimé. Sinon, un petit point faible pour nous, l'eau froide. C'est compliqué. Quand il fait très très froid, d'avoir de l'eau, c'est pas de l'eau froide, glacée. C'est de l'eau glaciale qui vient directement des tréfonds de la terre. Là. Les douches froides, vous allez dire, ça fait pas de mal. Enfin, tous les stéréotypes que vous voulez. Quand vous devez vous laver parce que vous êtes noir. On était noir, hein. On avait, à cause de la poussière et du gaz, des pots d'échappement. On était vraiment, vraiment noir. Et il faut te laver, mais l'eau glaciale, quand tu te mets partout, c'est atroce. C'est horrible. Tu te laves un peu comme tu peux, tu espères que ça parte le mieux possible, mais... Ouais, non, c'est pas si évident que ça, c'est vrai. C'est atroce. Et sinon, aussi... Sinon, il y a la supercherie de certains endroits. Ouais. Comme par exemple Tétouane. Des endroits touristiques, encore une fois. Touristiques, évidemment. Comme Tétouane, où. C'est la jungle. Ouais, c'est ça, on nous a dit c'est la jungle. Il y a des tigres, il y a des léopards, il y a des rhinocéros. Tous les animaux que vous pouvez imaginer dans la jungle. Dès que vous pensez à un animal, hop. Ça fait rêver, quoi. Et puis quand on s'est baladé dedans, t'es là, mais c'est une forêt, en fait. C'est pas vrai. Ça fait pas rêver, en fait. Il y a le climat, il y a le truc, il fait très très chaud, 35 degrés. Il y a des avis partagés, il y a des gens qui ont adoré, d'autres qui n'ont pas aimé, on n'a pas aimé. Et par exemple, ils disent oui, il y a des animaux en liberté, on a vu des éléphants, ils venaient sur nous, ils passaient à côté de nous sans problème. Ce n'était pas du tout des animaux en liberté, c'est des animaux qui sont en cage, mais dans une énorme cage, quoi. Ils sont adressés, ils sont observés, ils sont. Enfin, c'est dommage, c'est vraiment, vraiment dommage. Et si vous devez aller à Tétouane, faites le safari en marchant. À pied, ouais. À pied. Canoë. C'est bien plus intéressant. Vous pouvez faire marche et canoë, là c'est double jackpot. Yeah. Mais c'est très très cher aussi. Genre, mais parce que vous êtes un touriste, hein, comme on disait avant. mais bon, c'est, on n'a pas aimé, on est très déçus. C'est dommage parce que aller dans la jungle, c'était génial quoi. J'étais man versus wild, ça y est, on était parti. Mais non, c'est pas ça du tout. Et on a aussi eu cet effet-là quand on est allé à Lombini. Quand on a vu les différents temples... En fait, pour vous expliquer, je te coupe, Lumbini, c'est l'endroit où Siddhartha, Bouddha, est né. Donc on arrive en disant, ouais, on va prendre plein de trucs. Et en fait, c'est pas ça du tout. Non, il y avait des temples qui correspondaient à chaque pays. C'est des temples pour honorer Bouddha par chaque pays. Et c'est des temples tout neufs, quoi. Il y avait des temples, ils ont été faits en 2017, donc ça n'a aucune âme, en fait. Pour vous dire, c'est des temples, mais ça ressemble à Disneyland. C'est vraiment Disneyland. Mm. C'est les mêmes, vous savez, si vous êtes déjà allé là-bas, c'est les mêmes types de peinture. C'est en mode, oh regardez, Peter Pan, machin. Mm. Et c'est les mêmes, et c'est la même chose. Vous avez l'impression de faire une file d'attente pour aller dans un manège. Sauf qu'il n'y a pas de file d'attente. Sauf qu'il n'y a pas de file d'attente et il n'y a pas de manège. Pas de bol. Bon, il y avait un endroit un peu intéressant, c'est l'endroit où la stèle où soi-disant Bouddha est né. Mm. Donc il y a des gens qui viennent, qui prient, qui jettent de l'argent, qui se jettent au sol. Après, derrière, une réplique de l'énorme arbre où Bouddha, c'est-à-dire l'éveillé, Bouddha s'est éveillé, ou Siddhartha, du coup, c'est devenu Bouddha. Et c'est une réplique de ça, et là, c'était très intéressant, des gens partout qui chantaient, Oui, ça c'était à voir. Encore une fois, il fallait payer. Ouais, et comme disait notre ami népalais qui a découvert l'endroit, c'était affiché un grand « Welcome to the place where Buddha was born » et il avait l'impression d'être à l'aéroport. Ouais, votre ça. Prochain vol à destination de Paris. C'est impressionnant. Et
tu sais, on en a marre de voir ça, quoi. Moi, en arrivant en Népal, je me suis dit, Banzai, je vais être dans le village, c'est parti. Mais vous avez ça, hein. Je dis pas, vous avez cette part-là, un peu partout. Mais il y a maintenant le tourisme. Il y a du business. Du business, encore du business, toujours du business. Et ça, c'est vraiment lourd. C'est comme les avions. Comme les avions, c'est du coup, voilà pour nos points négatifs. Ouais, c'est à peu près. Si on n'en a pas oublié. Et maintenant, on va manger!